Bien, salut à tous, c'est HP Gamer, on se retrouve ici pour une toute nouvelle vidéo. Pour une vidéo après ma très très longue absence. Pourquoi une aussi longue absence? Et parce qu'en fait mon ordinateur avait des virus, donc je pouvais pas ajouter de vidéos et faire les montages. Alors pour cette fois-ci, on se trouve ici pour le deuxième épisode de ma série Tuto Redstone, où je vais vous montrer comment faire une tourelle à flèche ou à boule de feu. Vous pouvez voir ici le feu qu'il y a. Alors à flèche, voilà, ça lance des flèches. Je vais vite arrêter pour pas que ça fasse laguer. Et boule de feu. Voilà, ça lance des boules de feu. Pas mal en PVP. D'accord, si j'en avais fait un. Voilà. Donc, pour cela, il faudra 3 distributeurs. Donc, on va vite les placer. 1, 2, 3. Il faudra des blocs quelconques. Donc, là, on casse les deux ici. Attendez, je vais juste virer le mouton et le villageois. Voilà, barre-toi. Voilà, donc, vous allez placer par-dessus 3 blocs de genre-ci. Vous allez placer de la redstone sur les distributeurs, mais ça va pas marcher. Donc pour ça marche, vous n'avez plus qu'à viser le bloc juste derrière. Et voilà. Ici, vous allez placer des torches de redstone, mais ça va faire la même chose. Donc vous allez vous mettre en sneak. Voilà, en sneak. Pour ça que ça va le mettre, ben, si vous prenez la touche directionnelle de qui va en bas, vous savez, voilà. Voilà. Là. 2 et 3. Alors ça va faire comme ça pour que ça arrête. Vous allez placer un levier juste là. Et désactiver comme ça. Alors à l'intérieur, on va nuancer, on va mettre boule de feu, flèche, boule de feu, flèche, et là boule de feu et flèche. Voilà, voilà vraiment comment c'est puissant. Donc je vais prendre un œuf de villageois pour voir un peu les dégâts que ça fait. Voilà, je vais en faire spawn pas mal. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo si elle vous a plu. Et bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis c'est tout. Allez, salut !